pour passer tout donc dans l'ouest, mais en fait c'est pratiquement tout pays là qui a senti donc le cyclone avec la pluie, avec vent. Et nous souhaitons vraiment que vous gagnez ça, bon Dieu épargne. Et comme nous sommes petits, bon Dieu seulement qui toujours épargne de catastrophes naturelles, de inondations, de tempêtes et de mauvais vents, de tremblements de terre. Et parce que l'in a intérêt nous pour nous continuer à prier. Monde qui a prié, week-end ça, prier donc pour le cyclone Elsa donc pas craser Haïti pendant week-end. Depuis hier soir, nous avons déjà connu quelques rafales de vent et avec quand même en pile la pluie hier soir dans certaines zones au niveau de l'aire métropolitaine. Eh bien, et selon prévision météorologique, donc le cyclone Elsa a passé et samedi dans l'après-midi pour arriver donc dimanche matin. Donc il passait de stade de onde tropicale donc à ouragan dans moment on a parlé là et lui jusqu'à présent dans direction donc Caraïbes là dans direction donc Haïti, la République dominicaine, donc Cuba même il va envahir Cuba. Donc nous espérons que il pas et il affaiblit, nous espérons que il dévie et donc de trajectoire et que la va pratiquement épargner Haïti. Cependant faut m'indiquer que jusqu'à minute n'a pas l'air là. Faut nous être très créatifs, faut nous préparer pendant le week-end. Moun qui habite bon en mayo, nous avons déjà ça pour nous faire. Moun qui habite bon en mayo, moun qui gagne, on fait tol qui pas bien cloué dans le caillou. Donc, ou gagne journée en bouffelle. Ou gagne journée en bouffelle. Donc, si ou gagne un caillou qui pas bien et qui pas bien bétonné, ou bien du moins, et qui pas bien couvri. Donc, ou gagne journée en bouffelle pour passer main. Et si son gros cyclone. Et ils ont mis des tapes, donc dans les fenêtres. Donc ils ont scellé les fenêtres. Et surtout, les gens qui viennent vite et portent vite. Ils sont capables de sceller, de mettre des adhésifs, mettre des plywood. Donc ils sont capables d'empêcher que le vent l'écrase, de rentrer dans le canal pour être capable d'écraser le canal. Il faut faire très attention. Vraiment, et nous souhaitons que vraiment, le week-end, ça, nous ne connaissons pas mal ça. Mais pour ça, je regarde dans la télévision. Je fais une nuit hier soir, je dormi. Parce que je vais suivre le cyclone, ok? Je vais suivre et météo. Mais pour ça, je vais garder après matin à tout. José Lexidor et Haïti n'a mis tant de cyclone. Il n'a mis tant. En dessous de ce qu'il a affaibli, comme il passe de on tropical à ouagan. Donc, on allait pour nous, c'est pas mal vu une tempête ou bien on va connaître qui va mener à nous. Donc, des inondations. Nous sommes à Matsou, tu fait déjà donc, dans le sud du pays, également dans la grandeur du pays. Nous souhaitons vraiment que nous ne pas qu'apprendre ça, que nous ne pas aller tomber dans ça, madame, monsieur, pendant ce week-end. De croiser d'autres nous, ça qu'a prié, mais attention, il faut que nous fassions très attention parce que ces cyclones niés, nous connaissons déjà, nous ne pas arrêter bon en mer, monde qui était bon à Vigno, il faut nous dégager donc, pour nous connaître et qui ça nous va faire, donc il faut nous quitter bon à Vigno. Monde qui a une caille qui pas solide, donc monde qui a une caille que toiture là, n'est pas solide, sous une feuille qui manque le cloué, et c'est même bien tout. Et sous les moyens, mettez manger la caillou. Et mettez manger la caillou parce que si le cyclone a passé, donc, et il y a peut-être, dépendamment de à qui niveau, à qui vitesse la privée sur nous, donc, dépendamment de qui frappe, que le cabanou, ou kawé, que donc, là, ou qu'a besoin de manger, et pour un bon bout de temps, donc, pratiquement la caillou, peut-être pour une semaine ou deux. On souhaite que ce n'est pas sacrifié. Et sous ta, ouais, week-end ça, et que nous t'apprenons frappe cyclone ça, pour David avec inondation, vent, pour t'a dévasté donc le pays, comme c'est le sud, et le sud-est c'est la grandeur et que le plus menacé selon la trajectoire qu'il a pour le moment, madame, monsieur. Maintenant, c'est tout que vous avez encore besoin de la République dominicaine pour voter soutien, malheureusement. Ok? Si nous t'a ouais, même avec cyclone Matou, et que cyclone ça, j'aime moi lié là, j'aime regarder là, madame, monsieur. Ok? S'il pas t'a dévié donc de trajectoire, s'il pas t'a affaibli, eh bien, pour le faire dégâts dans le pays, pour avoir une inondation, et pour le dévaster, donc pratiquement en partie dans le pays, maintenant, c'est tout que vous avez besoin encore de la République dominicaine pour soutien, pour aide. En parlant de la République dominicaine, le journaliste, c'est la République dominicaine, Pierre-Martin Dazout, qui lui-même l'a fait campagne là, il a demandé Dominicain, il a demandé le président Abinader, et pour venir, pour le prendre, pour attaquer Haïti militairement. Ok, pour attaquer Haïti militairement. Bon, ça, on m'en fout. C'est pas comme un baillot, comme si. Et pour Dominicani attaquer Haïti militairement. Bon, moi que c'est. Elles sont locaux. Ok? C'est un journaliste qui est fou. Ok? Parce que le baron Benba eux-mêmes, son équipe parle de radio, il y a besoin que, donc, il n'y a pas qu'on s'en faire comme job, comme métier. Ok? Parce qu'on va en pays,
envahir un pays, mon frère, et journaliste, faut ouvrir un livre pour garder la convention donc, de Vienne. Ok? Faut ouvrir chat l'ONU. Comment je vais faire? Bon, faut-il parler, monsieur, rapidement. Bon, on s'est Alvarez, whatever. Et bam, son Tibet. Et pour monsieur comprendre, ok? Donc, journaliste dominique, ça, monsieur, bam, voyez, non, moi, d'abri, et mon frère. Et pour monsieur connaît, ok? Il y a pas avant monsieur connaît dans le pays, ok? Parce qu'on va capable de journaliste qui a parlé dans la radio dominicaine, et pour répéter des bêtises. Donc, il va induire dominicain dans l'erreur. Ok? Bon, faut parler, monsieur, rapide. Et rapide, d'abord, moi, monsieur. Ok, bien, maintenant, à toutes. On va parler, monsieur. Monsieur Mandé, ne pas de parce que monsieur pas connaît rien. Monsieur Jess pas connaît rien même. Ok? Et yo pas envahir un pays comme ça. Yo pas envahir un pays comme ça. Monsieur Mandé pour président Abinader attaquer Haïti militairement. Ok? Donc, bon, c'est monsieur fou. Ok? Ils sont locaux. Monsieur fou. Elle dit, monsieur pas connaît rien même, n'a fait pas la radio, n'a fait métier ça. Ok? Monsieur pas connaît les conventions de Vienne, n'a pas connaît les chats de Nations Unies. Et monsieur pas connaît rien. Bon, en tout cas. Moun gars du Galvez, non? Et pas Galvez, non? Non, Galvez. On l'autre nègre, monsieur non radio là. Nous avons regardé l'article là, bon petit temps rapide là. Monsieur l'autre, dans le pays de Saint-Domingue. Monsieur Saint-Domingue, lié. Oui, monsieur Saint-Domingue, donc, faut payer à compte monsieur. Affaire monde qui fou, monsieur fou, man. C'est fou, c'est fou. Je ne sais pas si vous avez ça par la radio et Dominicani. C'est un skip. Ok? Passez là. Émission hier matin, nous avons attendu des années, regardez. Ok? Dominique, j'aime la bataille ça. Dominique, j'aime la bataille ça. En tout cas, donc, je cherche non, monsieur, ça a voulu me voir. Donc, monsieur, son est qui fou. Je ne sais pas qu'on a même dans les conventions de Vienne, dans les chartes de l'ONU. Ok? Donc Haïti c'est un pays qui grand monde d'être dans tout notre pays. Nous même en tant qu'Haïtiens, nous ne pouvons pas entendre nous, mais ça ne va pas garder personne monde. Ok? Ça ne va pas garder personne monde. Nous ne pouvons pas entendre nous, mais qu'on le. Nous n'avons pas obligé d'entendre nous. Goulet Gabriel n'a pas obligé d'entendre nous quand même. Ok? Donc nous n'avons pas besoin de nous pas occuper, nous n'avons pas occuper. Nous avons dit que semaine ça, week-end ça, et croiser d'autres nous parce que si cyclone n'a débarqué, en fait, si cyclone a fait des dégâts dans le pays, pour t'avoir une inondation pendant le week-end. Pour et cyclone ça t'a vini avec vitesse que moi li a avancé sur nous là donc on me connaît que nous va besoin Dominicani pour porter aide ba nous malheureusement pour nous en tout cas comment on bonjour José Lexido bonjour Père Matin bonjour Loco et bonjour et ça dérange bonjour Père Matin bonjour Isaïe bonjour à toutes les super branchés et bien entendu généralement les cyclones ça va passer il passe sur île là non Dominicani a fait le même oui il dit bah oui il dit bah pas tout vous comprenez mais ça son monde fou on bat même besoin bah occuper la salle dia même parce que même dans rêve vous pas dit même dans rêve vous pas dit. En tout cas, et je dis, c'est vendredi, c'est dernière sortie, émission Matin Débat. Nous saluons tous les vraiment amis, auditeurs qui t'ont fait semaine avec nous. Nous saluons toutes les super branchés qui ont même toujours connecté nous. Et nous saluons l'équipe Groupe Éclair qui ont même toujours mobilisé pour être capable de porter émission Sabaou. Et mais je dis encore, nous partis pour yon l'autre gros tonton bout émission et sous Radio Éclair, Télé Éclair, TVA 30 tout, mais tout, chaîne YouTube Radio Télé Éclair. Là côté, ou ka joindre nous et puis pour suivre émission Matin Débat, nous saluer Maxime et Lucien, hein, qui a suivi nous là. En tout cas, comment nous vivons matin? Bon. Et souffle là, et ça fait nous arriver là. Souffle là, donc, non, remettre là, nous faisons semaine. Et c'est avec quel content, non, ouais, nous servir la population pendant semaine. Et nos pays aussi difficiles. Donc, tout ça pendit sous nous. Kola Kayoko dans la rue. Et puis, je me dis merci à grand maître là, à tout esprit visible, bien visible, qui permet nous là. Eh bien, bon, je dis à ce vendredi, oui, là. Nous, comme chaque vendredi, eh bien,
remercier toute station de radio qui fait semaine ensemble avec nous là, qui baille population en service. Que le Radio Mercure, au Cap, qui Radio L'Espoir, Radio Télévision Espoir, qui est la Nativité. Et que Radio La Nativité, qui émet émission ça passe chaque 4 heures. Et Bois Kanagari, que Radio Maïla Lembe. Et nous remercions tout plateau central. Plateau central, c'est Radio PAM, Radio Panique, et puis Radio Fadé, Sodo. Et Radio Mutation. Radio Télévision Mutation, des Vagieux. Et un gros coup de chapeau pour station de radio ça. Dans la zone sud, c'est Radio Diffusion KN. Et puis Okoto. Et Okoto, c'est Radio Tchakaj, qui accompagne une cap belle population en service. Et nous dit tout le monde cap côté nous. Et Sud-Est, Radio Peuple. Un gros coup de chapeau pour l'équipe ça qui accompagne nous. Lambi FM, Terra FM, ça c'est Gandans. Et un gros coup de chapeau pour eux qui fait semaine ensemble avec nous, comme population, zone la caillou service. Et que la population doit considérer ça en pile, en pile. Et c'est monsieur, c'est station de radio ça, c'est administration radio ça qui compte qui ça a fait pour permettre à ce que radio gagne courant. Et moun kap travay ki pou bay servis la. Donc c'est un gros remerciement. Et puis la Tibonite c'est Saint-Marc, c'est Radio Précision qui prend son dé parisienne en dans ville Saint-Marc, alors que dynamique en dans ville Saint-Marc. Et là il puis devant c'est Verette Veretienne. Et donc ville Gonaïve c'est Harmonie. Semaine dans la population, la Tibonite en service, permet tout un débat, un débat. Et permet tout plus ou moins clair dans ce qui a passé dans le pays. Et donc, alors que dans l'Ouest, là, c'est le organe, c'est Radio Standard. Et puis, tu vois, c'est Radio Préférence. La population en service. Et dans le Nord-Ouest, c'est Volcan. Rappelez-nous dit Gros Monde c'est Daniel FM. Et puis dans le nord-ouest, c'est Radio Volcan, Bassin Bleu. Deuxième section, troisième section commune Bassin Bleu, c'est Rêve 2000. Et alors que Port-de-Paix, c'est Excel Inter, Radio Clean, Manassé, Mélodie FM, ou bien Mélodie Inter, tous les soirs à partir de 7h. La mamie Saint-Ville qui vraiment tanyo, est d'accord sur ça. Pour département, ça a toujours gain radio qui est les mélodies, 25-26 ans de service. Et qui ça pour te faire encore, hein, pour y'a une considération. Ville, Port de Paix, département Nord-Ouest, eh bien, et mélodie toujours là. Jean Rabel, c'est RTJR et Pladem. Alors, m'a dit à petite. Radio Saint-Michel FM. Radio Saint-Michel FM, c'est la Tibonite. Radio Saint-Michel FM, c'est la Tibonite. Et bien. Bon. Eh bien, Pasteur Mdégon, rendez-vous alors, et Fernando Radio et Saint-Michel FM, do écrit dans l'histoire là parce que. Mm-hmm. Ouais. Il faut écrire Saint-Michel FM dans l'histoire. Je l'ai écrit. Ah bon. Mais il faut m'écrire le plus grand. Il faut écrire justement. Ouais, grande lettre. Bagain doit oublier. Bagain doit oublier. Non.